Salut tout le monde! Deuxième épisode de ces vidéos tutoriels d'RPG Maker. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire des events. C'est tout de même plus compliqué que de mapper, bien évidemment. Mais je vais forcément vous l'apprendre. Alors, pour commencer, sélectionnez événement. F6, voilà. Vous double-cliquez où vous voulez, ce sera l'emplacement de votre event. Le nom de l'event, ce n'est pas obligatoire, mais ça vous permet de vous repérer quand vous cherchez quelque chose. Par exemple, là, je l'appelle vieil homme. Apparence, je crois que c'est people one. Yep, vous prenez le vieil homme, vous mettez marche animée pour que quand il marche il bouge, c'est nécessaire généralement. Animé à l'arrêt, direction fixe et traverse tout. Si vous voulez qu'il se déplace, sélectionnez aléatoire. Vitesse, comme c'est un vieil homme, on va dire modéré. Une vitesse modérée. Vous double-cliquez sur ici, là. Et ensuite, vous avez beaucoup d'options, toutes les options possibles pour l'événement. On va dire que c'est juste un vieil homme, un PNJ qui marche et... Il y a juste besoin... Bon, il n'y a rien en fait. Vous pouvez rajouter un portrait. Moi, je ne mets des portraits qu'aux personnages importants. Sinon, ce n'est pas nécessaire, personnellement. Qu'est-ce qu'on pourrait lui faire dire? Je suis ici depuis la création... La création du village... Voyez, un texte basique. Ensuite, généralement, on peut... 1, 2, 3, 1... Attendez. Donc, comme dans tous les petits villages avec des petits enfants, ils courent et ils courent. Donc, people 2, people 1, ils jouent au maire. Si on peut... Show. Yeah. Aléatoire, rapide, fréquence haute, vous avez réussi à m'attraper. Ah oui, j'avais presque oublié. Déplacer un événement. Cet événement-là, un pas vers la gauche, deux pas vers le bas, un pas vers la droite, non, deux pas vers la droite, deux pas vers le haut et un pas vers la gauche. Répétez en boucle, ignorez si impossible. Ok. Voilà. Oh super, je me suis trompé. On va la placer ici. Et dans ce sens-là. Et là, on va faire copier, coller, éditer l'événement. Je me prends pas la tête, hein, c'est la manière la plus simple. Apparence, petit garçon. Et maintenant, on fait ça. Mais... On fait l'inverse. Un pas vers la droite, deux pas vers le haut, deux pas vers la gauche, deux pas vers le bas, et un pas vers la droite. Et maintenant, on efface tout ça. Hop. Donc, comme je disais,
On peut dire que ne me gênez pas, je n'ai pas, je dois l'attraper. Ok, appliquer, appliquer. Essayons de rendre le village le plus dynamique possible. Hein. Une vieille femme avec le plus de personnes inutiles. Hop, hop, aléatoire. Je n'ai pas pour habitude de... Non, non, impossible. Je me demande quel sera ton destin. Une phrase cliché. Peut-être quelqu'un qui est fou. Aléatoire. On va dire que c'est... C'est une slime qui bouge à l'infini. Hop, slime. Ok. Alors, testons pour cela. Donc, ce sont que des événements basiques. Hein. Il ne faut que du dialogue. Que du dialogue. Je pense que c'est bon pour l'instant. J'enregistre, pitié, fait que le son est pas trop fort. Oh, c'est bon, je l'ai bien réglé. J'avais pas fait d'essai avant. What the fuck? Oh. Je me suis trompé. Je me suis complètement trompé à leur sujet. Et il y a un problème. Attendez, je règle ce problème. Ah, mais oui. Ah, feu, je me suis trompé. Ah, oh, ça m'énerve, trajectoire. C'était petite ellipse, le temps que je refasse la trajectoire. Donc, je crois que la traduction a été... Traduction. Trajectoire a été réparée. Pitié. Oui, ça y est, j'ai réussi. C'est complètement cliché de voir des petits qui courent comme ça dans les villages. Je me demande quel sera ton destin. Des petites phrases débiles. Je suis ici depuis la création du village. Le slime excité. Et bon, on va dire que pour un tout petit village, c'est déjà pas mal. Dans le prochain épisode, je pense que je vous apprendrai à utiliser la téléportation vers une autre map. Donc, c'est la fin de ce tuto. Je vous apprendrai d'autres choses sur les events, ne vous en faites pas. On peut vraiment diversifier tout ça. Ciao tout le monde!